qui. Mais qui est amoureux de qui? Tu penses que tu vas venir nous raconter des balivernes et puis on va avaler ça? Tu es une grosse manipulatrice, tu es une menteuse. Merci beaucoup, Père Ladji. Tu es une manipulatrice, tu es une menteuse. Tu es une gâteuse. Voilà, tu es une vraie frustrée. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, là, tu en fais ton ennemi. C'est comme si les gens sont obligés de coucher avec toi. Tu t'es vu et puis tu crois que les gens sont obligés de sortir avec toi. Et puis ton frère t'encourage dans la bêtise pour dire que non, tu es la reine Poutine. Ton frère t'encourage dans la bêtise pour dire que tu es la reine Poutine. Tu es la reine Poutine par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu serais la reine Poutine? C'est ton amour où tu as jeté. Tu as fini de te penser sur le gars, il t'a jeté, il n'a rien à foutre de toi. Que je ne partais plus chez tes parents parce que quand je vais là-bas, c'est que des dépenses. Mais oui, tu as dépensé. Tu penses que quoi? Quand on sort un joli garçon là, tu as dépensé. C'est nous autres, on ne veut pas se jouer les gigolos. Sinon, moi-même là, si je voulais être gigolo, je n'allais jamais aller travailler. Tu connais le nombre de femmes qui veulent m'entretenir en Europe ici? Et puis, il y a toujours décliné leurs offres. Parce que je suis un bosseur, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Quand il dépend des femmes, après, ça sort sur les réseaux sociaux. Voilà Peter 007, il sortait, il est parti de une gnaï en Belgique là. Hein? Il a pris son argent quand il n'a pas fait ce qu'elle voulait parce qu'elle ne lui plaisait pas là. Elle est venue contacter les blogueurs pour le guinzin. Elle a envoyé le dossier à Bob Lee, à son âme. Bob Lee a pris ça pour le guinzin. C'est comme ça. Vous êtes, quand vous dépensez votre argent, vous pensez que les gens sont obligés de sortir avec vous. Quand ils ne répondent pas à vos attentes nettes, ça devient un problème pour eux. C'est pour ça que moi là, je ne serai jamais gigolo de quelqu'un. Ça chauffe pas. Je suis un bosseur. Handicapé même travaille en France ici. Après, faut moi qui ai mes membres au complet. Handicapé là, il travaille en France ici. Après, faut que je celui qui a ses membres au complet, qui n'est pas malade. Donc moi, je vais aller travailler. Donc, quand ça va, c'est gâté en toi avec quelqu'un, quand il t'assoit pour dire non, ta maman, tu sais bien que c'est moi qui l'a massé, je vais courir avec son couteau sur la toile. Même si on te périt, j'ai haut de courage. Moi, mais je te mets au défi aussi. Bah, les femmes qui viennent me dire non, faut pas te mettre dedans, faut la laisser. Elle va insulter sa maman, vous êtes malade. Elle va insulter sa maman, pourquoi? La dame lui a fait confiance, la dame l'a appréciée en tant que belle fille. La dame l'a acceptée, a accepté qu'elle rentre chez elle. Elle va masser la dame, elle filme la dame. Et d'après elle, c'est ce qu'elle a dit. Et puis elle ment hier pour dire que quand j'ai dit sa maman, je n'ai pas mis de photo parce qu'on ne sait pas qui est sa maman. Mais quand tu dis en même temps que c'est parce que sa maman l'a mal éduquée, c'est elle qui l'a éduquée. C'est elle qui l'a élevée. Il n'a pas une autre maman qui l'a élevée. C'est elle qui l'a élevée. C'est elle qui l'a élevée. Donc quand tu viens retourner ta langue là, c'est n'importe quoi. Mais anyway, moi je te mets au défi. Si tu es femme, mais quelque chose qui concerne la maman de Tesco sur la toile. Tu n'as pas croire. Tu as pensé que c'est ma maman qui a mis. Et tu n'as pas, quand vous êtes allé filmer ma maman, vous venez de filmer ma maman, prendre photo de ma maman, vous venez mettre ce que je vous ai montré là. Tu te rappelles de ça, non? Il y a des faits, son double. Il vous fait son double, toi et puis ta famille là. Vous n'avez pas dit que quand vous avez affaire à quelqu'un, c'est vous qui commencez à prendre les parents de la personne. Après, quand on récupère les vôtres, on dit non, que oui, il a insulté mes enfants, il a insulté mes parents. Ta maman t'a fait quoi? Il t'a dit ramène les photos des maris, des papas de tes enfants, on va vérifier, on va voir eux et moi qui est beau. Il a raison. Et toi, joli garçon, qui veut de toi. C'est les garçons désespérés, les gros bas ventre, les grosses cuisses qui se coincent avec odeur de camembert entre les jambes là. C'est eux qui couchent avec toi. Ceux qui ont les petits pins, on dirait tête des choses, des maguillas là. C'est eux qui couchent avec toi. C'est elle qui couche avec toi. Joli garçon peut jamais rien, peut pas aller quelque part avec toi. Quand tu as bouche de 58 ans, là, qui va foutre quoi avec ça? Qui va faire quoi avec bouche de 58 ans? Hein? Quelqu'un qui, tu couches avec quelqu'un, tu veux de quelqu'un, si la personne ne répond pas à tes attentes nettes, il devient ton ennemi. Tu commences à l'insulter, traiter de tous les noms. Moi, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Hein, moi, là. Quand il s'agissait de moi, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu as tout fait. Je t'ai dit, il était décliné. Tu as même pilé photo en France ici pour moi. Tu as pilé photo même. Tu étais à Bidja, il y a un escargot là. Tu es allé tuer tous les escargots à Zopé pour venir avec. Tu es allé à Zopé, à Coupé, à Lépé, à Agou. Tous les villages entiers là. Tu as ramassé tous les escargots de là-bas. Tu as mis sur ta tête. Des naines fafouillassés là. Et puis tu es venu avec ça en France ici. Il a dit, j'ai mes escargots. Allez pilé photo quand tous les voisins ont fait pétition contre toi. Pour m'envoyer chez moi. Pour dire que d'après toi que tu vas m'emmener chez moi. Est-ce qu'il a accepté?
Quand elle m'appelle, elle dit qu'il y a du feu, il y a du feu dans mon sous-sol. Quand elle m'appelle, elle dit que le pompier est venu. Quand elle m'appelle, elle dit que l'immeuble a pris feu. Quand elle m'appelle, elle dit qu'il y a séisme en France. Il est fou de quoi, toi? Il est décliné, mais malgré ça, elle ne comprend pas. Tellement elle est tolol, tellement elle est obsédée, tellement elle veut forcément qu'il y ait la moubou. Elle dit qu'il y a pire foutu. Et elle dit, on prépare pour t'amener. Voilà femme ici, tu es en train de faire autre chose. Voilà femme. Elle dit, t'es regardé. T'as dit, t'es vu. Je l'ai tellement insulté, non. Elle a commencé à payer quelques habits. Avant, elle n'avait pas d'habits. Elle n'avait pas de chaussures, elle n'avait rien. Puis, toi, tu es vilain depuis que tu habites au loin. C'est toi qui es vilain depuis que toi qui habites loin. Lorsque toi, tu es vilain, tu habites loin, tu n'as pas habit, tu n'as pas chaussures. Tu vas faire quoi, toi? C'est moi, il y a des paris, il veut dire mes sacrifices. On t'a dit que je suis le sraka de mes parents. On t'a dit que moi, je suis sacrifié. Tu me connais où? Quand tu es sur Tiesco, là, faut te limiter à lui. Règle tes comptes à lui, parce que c'est à lui que tu as fait. Tu fiches la paix à sa mère, parce qu'elle ne t'a rien fait. Elle n'a fait que te recevoir chez elle, comme une belle maman l'aurait fait. Comme une vraie belle mère, qui aime son enfant et qui aime la copine de son enfant. C'est ce qu'elle a fait. Elle a eu tort. Oui, tu me connais, quand je viens, je rentre directement dans sa chambre. Je rentre dans sa chambre, là, c'est pour aller l'espionner, c'est pour aller l'amasser. Elle t'a fait confiance. Une femme même qui se met nue devant toi pour que tu l'amasses, là, c'est la confiance, c'est qu'elle t'a fait confiance. Elle t'a vraiment pris à sa belle-fille. Elle parle avec toi, tu enregistres. Elle t'envoie les notes vocales, tu gardes. Hein? Pour venir t'en servir contre elle. Aujourd'hui, pour lui, pareil, c'est mélangé entre son fils et toi. Mais c'est pas pareil, c'est mélangé que ça n'avait pas dit que vous n'allez plus vous réconcilier. Dans le couple, par là, peut venir, mais ça n'est pas dit que c'est la fin du monde. Tu te précipites pour venir t'en prendre à sa maman. Tu te précipites pour venir sortir des choses qu'il ne faut pas. Mais wesh, il faut arrêter. On ne fait pas des choses comme ça. Puis ton grand frère bête là, au lieu de dire non, ma petite, on ne fait pas ça. Tu commences, lui t'encourage pour dire que tu es la reine Poutine. Viens vous soulever encore. Si tu es femme, mets quelque chose de la maman de Tiesco. Mets quelque chose qui concerne sa maman pour dire que toi, tu as filmé sa maman, tu as mis sur Facebook. Ça va t'aider. Facebook va te dégoûter, toi et puis toute ta famille. Facebook va te dégoûter, toi peut-être. Lui-même d'abord, il l'a attrapé, il le frappait d'abord. Et puis toi, il a été récupéré. Bah, il t'en foutaise même. C'est un comportement de 100 fois ni loi. On peut être maudite comme ça. Non, mais faut arrêter-moi ça tout de suite. On parle de ça, des bâtards, des femmes qui viennent s'arrêter pour dire non, c'est normal, laissez-moi l'insulter. Laissez-moi insulter sa maman. Sa maman lui a fait quoi? C'est sa maman qui a dit à son fils d'arrêter de la mougou. Hein? Que oui, j'ai une petite pine de magouille. C'est pas lui qui a une petite pine, c'est toi qui a un trop gros nien. C'est ça, c'est ce que tu as omis de dire aux gens. C'est pas lui qui a une petite pine, hein? C'est toi ton nien qui a dépassé les limites prescrites. C'est toi ton nien qui est trop gros. Sinon, c'est pas parce que lui la petite pine. C'est toi ton nien qui a dépassé la limite normale. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il a une petite pine. On parle de ça, tu veux quand il parle de lui, je suis allé faire chirurgie, quand même déjà j'ai resserré mon nien, on resserre ça avec quoi? C'est quoi l'alpha on prend pour resserrer? Ou bien on coupe, elle file à Nango. On resserre ça avec quoi? C'est quoi l'alpha? Une fois que les gaines sont lâchées, c'est fini, hein, ma chérie, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui peut te soustraire, c'est prendre peut-être des trucs pour des trucs africains là, pour t'asseoir sur la vapeur, ça va juste te donner l'impression que c'est resserré. Mais une fois qu'il peut rentrer là-bas, là, ça se relâche, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Ça reprend sa forme, exagérée. Donc tu nous emmerdes. Voilà. Tu n'es pas la seule femme sur Facebook. Et tu ne fais même pas partie des femmes. Parce que tu es très vilaine. Voilà. C'est le chirurgien qui a pris le risque de te faire le BBL. Franchement, c'est un chirurgien à féliciter. Parce que je peux quand même dire qu'il a réussi à te faire, hein, à te sortir de ton milieu naturel. Il a réussi à te sortir de ton milieu naturel en te ramenant un peu vers les êtres humains. Sinon, tu verras comment tu étais quand tu es venu dans mon lit là. Qui va bander devant quelque chose comme ça? Tu sais comment tu étais comme ça quand il te croisait là? Tu penses qu'il allait faire quoi avec toi? Au moment où il te croisait là, tu avais encore refait tes seins déjà, tu avais commencé à te refaire, tu avais déjà coupé ton ventre, tu avais déjà fait les choses. Avant là, tu t'étais vu. Hein? Tu t'étais vu. Ils ne savent même pas à quoi te qualifier, tellement tu étais vilaine. Il n'y avait pas plus vilaine que toi sur la toile. Il n'y avait pas plus vilaine. C'est toi qui as la plus grande gueule sale sur les réseaux sociaux. Allô? Allô? Oui, ma soeur, comment ça va? Ça va, je suis en direct, hein? Ah, d'accord, oui. Tu voulais? Ok, je t'appelle dès que je coupe. Moi, je voulais te parler de congélateur, là, non? Ah, tu veux parler dans le live?
Pas dans le live, je ne sais pas que tu es en direct. Ouais, parce que il y a eu des informations. Ou bien j'attends après. Oui, attends, oui, quand je coupe. Oui, je suis, par exemple, tu parles là, je suis dans la voiture, donc c'est sûr au parler, tout le monde t'entend. Si tu veux parler, c'est moi, je n'ai pas de souci. C'est comme tu veux. Ok. Ça marche. Merci, mon frère. À tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut laisser la maman de Tiesco tranquille. Elle ne t'a rien fait. Elle a juste été une bonne belle-mère. Voilà. Elle t'a reçu chez elle, gentiment. Elle t'a même permis de rentrer dans sa chambre. Voilà. Elle s'est même déshabillée devant toi. Comme en même temps, une petite fille, quand tu peux venir t'asseoir sur le réseau, peut-être que tu as la nudité de la maman de quelqu'un. Est-ce que c'est poli? Et puis, il voit des femmes pas bien qui s'asseyent pour dire que ça, c'est normal. Toi, tu dois dire ça. Comment tu peux venir t'asseoir sur la toile pour dire que toi, tu as la nudité de la maman? Une maman, une responsable. Une maman, maman de beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est ce que celui-là a accouché? C'est ce que celui-là a accouché? Tu as pensé à ses autres enfants? À un moment donné, souvent, il faut réfléchir. C'est ce que celui-là a accouché? Tu as maintenant pour dire que toi, tu as sa nudité. Par exemple, elle t'a permis de la masser. Donc, toi, si tu sais ce que ça amuse, toi, tu vas mettre ça sur la toile. Il te met au défi. Mets sur la toile. Je n'ai qu'à voir ça passer quelque part seulement. Tu ne vas pas croire. Quand tu vas me voir disparaître, c'est que je suis entré dans ton guéné. Hier, rentré pour aller m'asseoir là-bas. Ça va te dégoûter. Je serai comme piment pressé dans ton miel. Tu es malade, tu es plus coquille sur la toile. Il y a mon chien là. Une fois que tu as problème avec quelqu'un d'être bourreau, c'est toi qui vas ouvrir ta grosse gueule là. Tu penses qu'elle est devenue trop jolie maintenant. C'est moi qui t'ai insulté quand tu t'es arrangé pour devenir comme ça. C'est moi qui t'ai insulté quand tu as commencé à faire semblant de t'habiller. Tu as allé faire BBL là, tu as perdu la notion du temps. Chaque 5 minutes, à, midi, à 13h, te voilà en robe de soirée. À 15h, te voilà en robe de soirée. À 11h, tu vois, en robe, tu as perdu la notion du temps, quoi. Hein, ou bien ils ont laissé ton cerveau aussi pour rajouter dans tes fesses. Ils ont enlevé un peu une partie de ton cerveau pour rajouter dans tes fesses, pour gonfler tes fesses. Ça fait, depuis que tu as un BBL, là, chaque 5 minutes, tu es dans les robes de soirée en stretch. Hein, c'est quand on vend par douzaine à petit lomé, là. Quand tu portes 5 minutes après, ça te donne mauvaise odeur, là. Tu portes ça, tu viens t'arrêter, tu as demandé, tu es habillé. Idiotrine. Tu laisses la maman de Tiesco tranquille. J'entends son nom dans ta bouche. Tu règles tes comptes à lui, il n'y a même pas mes billets. Je m'en fous complètement. Je m'en fous de vous deux. Vous faites ce que vous avez à faire. Prends-le. Faut le déshabiller si tu veux. Monte-le en haut. Faut le cadenas en haut là-bas quand vous tombez ensemble. Si elle était parlé, change mon nom. Mais sa maman, tu l'enlèves dedans. Tu l'enlèves dedans, tu as affaire à elle, tu vas me croiser sur ta route. Et puis elle te montrer ça, zo. Tu me connais où? Tu me connais quand il me déchaîne sur toi là. Tu sais qu'il ne te lâche pas. Tu me connais. Voilà. Donc tu lui fous la paix. Point à la ligne. C'est même chose quand tu es venu inciter ma maman parce que je n'ai pas voulu de toi. C'est même chose quand tu as fait. Il t'a laissé par mes soeurs m'ont parlé. Sinon, j'allais te montrer ça encore. Mais cette fois-ci là, prends la main de Tesco. Ça va te dégoûter. Ça, tu es malade. Tu as parlé sur la dame, elle t'a reçu. Bien. Après toi, comme tu as donné un peu d'argent, tu as dit que toi qui l'as nourri, quoi. C'est toi qui l'as envoyé en France. C'est toi qui l'as envoyé en France. Tu as trouvé une dame qui est assise chez elle, qui est tranquille, qui est pépée. Hein? Et toi, tu n'étais pas encore arrivé là-bas, elle ne mangeait pas. Ça bug, mais mettez les cœurs pour ne pas que ça bug. Mettez les cœurs. Aïe, ça bug, tu fais quoi? Si ça bug, tu fais quoi? Vous mettez les cœurs pour que ça arrête de bugger. Par exemple, je vous ai dit que les gens signalent. Ou ça bug? Tu passes ton temps à insulter les parents des gens. Si quelqu'un ne veut pas de toi, ne veut pas de toi. Sinon, on t'a dit de faire les enfants n'importe comment pour que les gens soient pas à l'aise en toi. Sinon, on t'a dit de faire les enfants n'importe comment. Tu as fait les enfants n'importe comment, tu as mougou mougou n'importe comment. On n'est pas à l'aise en toi. Mais c'est de ta faute. C'est de ta faute. En plus, tu as une grande gueule. Qui va entendre ce que tu es en train de dire là pour venir se mettre avec toi? Qui? Quel homme sensé qui va écouter ce que tu es en train de dire de la maman de Tiesco et puis venir se mettre avec toi, venir mettre sa famille en danger avec une sauvage comme toi, idiote là. Et puis ton frère, au lieu de dire ma fille, on ne fait pas ça. Hein? C'est pour ça que les gens disent que vous couchez ensemble là. C'est pour ça, c'est à cause de tout ça là. Par exemple, normalement, lui devait te dire, mais ma petite soeur, à ton âge là, moi je m'inquiète pour ton affaire de mariage. Tu as 5 enfants, tu n'es pas marié. Donc on ne fait pas ça. Ton frère devait te dire ça. Pour lui, tu as déjà 5 enfants. Donc déjà, pour trouver quelqu'un qui va te marier avec tes 5 enfants, là, ça ne va pas être évident. Mais là, si tu te comportes comme ça encore, ça va compliquer encore les choses. Donc, on a qu'à... Vas-y doucement. Voilà, faut pas... Il y a des secrets de famille, là. On ne sort pas. Il y a des choses, on ne fait pas. Parce que moi, je veux qu'un homme te prenne avec toi et puis tes 5 enfants. C'est comme si un homme sensé va parler.
un sorcier, une sorcière comme toi. C'est pour ça que les gens disent que vous couchez ensemble. Parce que si ce n'est pas le cas là, pourquoi lui ne va pas venir t'attendre? Il ne va pas dire non, ma venir sur les gens, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. C'est vrai que ça s'est mal passé entre vous, mais ses parents ou bien les choses, on ne dit pas. Parce que si quelqu'un doit venir te marier, quand il va aller dans la genèse de tes vidéos, ça va le freiner tout de suite. Ça va le freiner. Donc, un grand frère sensé, c'est comme ça, va conseiller sa petite soeur. Et vous êtes fiers. Lui va te prendre ta photo pour te féliciter parce que tu as trop bien mal insulté la main de Tesco. Tu as trop bien fait d'avoir les vidéos des nudes de la main de Tesco. Et puis, tu t'assois comme tu es mal élevé. Tu n'apprenais pas de l'éducation. Comme tu as été très mal élevé, donc tu t'assois pour dire que tu as la nullité de la mère de Tesco. Toi, tu as mal passé d'après la parole des yeux des enfants. Quand il a parlé de tes enfants, il a dit quoi de mal? Il a dit ramène photo de papa de tes enfants pour qu'on compare entre eux et moi qui est joli. Eh, ça veut dire qu'il t'a insulté. Ça veut dire qu'il les a insultés comme ça. Comme tu as envie d'insulter ses parents, tu as envie de. Quand tu peux donc. Mets quelque chose qui concerne sa maman sur la toile. Je vais te montrer ça. Ça va te débrouiller. C'est même pas lui qui va te répondre. Il a enlevé ça dans tes yeux. Tu as plus t'en prendre à maman de quelqu'un. Oui, je suis en bas. Moi, je suis en bas là, je vais pas que tu gars là, je suis bien descendu. Ok, à tout de suite. Ok.